quelqu'un d'autre, Seigneur. Quelque chose qui t'est simplement destiné. Quelque chose qui t'est réservé. L'adoration, Seigneur. La louange. Car il n'y a aucun autre Dieu. Aucune autre personne que je désire adorer. Aucune autre personne que je désire louer. Ce n'est que toi, toi seul, Seigneur. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de mon foyer. Le Dieu de ma famille. Le Dieu qui soutient ma foi. Le Dieu qui me rend capable des choses que je pensais incapables. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses que je ne pensais pas pouvoir exister un jour. Mon Dieu, le Dieu des miracles. Le Dieu des surprises. Le Dieu qui me surprend à tout moment. Tous les jours, Seigneur, ma vie, je m'étonne de ce qui se passe. Je m'étonne de ce que tu me donnes. Mais Seigneur, oh, je sais que c'est ta grâce qui agit en moi. Comme Paul a dit, ta grâce me suffit. Ta grâce qui agit en moi me donne ce que j'ai, a fait de moi ce que je suis. Ta grâce est uniquement ta grâce. J'élève ta grâce ce matin. J'élève ta grâce ce matin. J'élève ton amour. J'élève tes bontés, Seigneur. Comme la Bible dit que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Alléluia. Alléluia. Cette mélodie qui monte vers toi ne regarde pas à la faiblesse de mes mots. Yes. Cette mélodie qui monte vers toi ne regarde pas à la quantité de mes soucis, mais cette mélodie qui monte vers toi ne regarde pas à la grandeur de mon problème, mais cette mélodie qui monte vers toi, c'est ma louange qui monte vers toi, c'est ma louange qui monte. C'est ma louange qui monte vers toi. C'est ma louange qui monte vers toi. Que ma louange.
je te demande d'accepter. Je te demande.